husband. La femme choisie, la finaliste, représente le courage, la force, la détermination et la dignité. New Glasgow, en Nouvelle-Écosse. C'est ici, en novembre 1946, que Viola Desmond est emprisonnée parce qu'elle s'était assise dans la section réservée aux Blancs d'un cinéma. Son geste aidera à mobiliser le mouvement des droits civiques au pays. Son courage lui vaut un honneur jusqu'à ce jour réservé aux hommes. Elle sera la première femme à apparaître seule sur un billet de banque. À la fin du 19e siècle, la grande majorité des femmes mariées sont considérées comme des personnes mineures, subordonnées à l'autorité masculine. La Confédération de 1867 n'a rien changé à leur statut. Mais déjà, les femmes luttent pour le changement. Les femmes de la bourgeoisie vont fonder des organismes de charité pour lutter contre la pauvreté. Il y a beaucoup de mouvements de population, beaucoup d'immigration, et donc beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Alors, ces femmes vont vraiment remplir un rôle crucial. Au tournant du 20e siècle, un grand nombre de femmes célibataires travaillent dans les villes. Les conditions sont difficiles et elles reçoivent un salaire inférieur à celui d'un homme. Les groupes féminins vont commencer à lutter pour obtenir les changements qu'elles souhaitent. Elles vont en arriver à la conclusion qu'il leur faut le droit de vote parce que c'est le seul moyen d'influencer les pouvoirs publics. Avec la Première Guerre mondiale, la lutte des femmes prend un nouveau tournant. Elles ne vont pas complètement cesser leurs grandes aspirations, comme l'obtention du droit de vote. Elles vont quand même modérer les ardeurs. C'est vraiment l'effort de guerre qui prend toute la place. Cette présence dans l'effort de guerre commence à porter fruit. En 1916, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, où le militantisme est particulièrement fort, les femmes gagnent le droit de vote aux élections provinciales. Si bien qu'il faudra attendre 1940 pour que les femmes au Québec obtiennent ce droit. L'Église catholique et les politiciens nationalistes vont se montrer très opposés à l'idée que les femmes puissent voter. En 1917, pour soutenir l'effort de guerre, le fédéral accorde le droit de vote aux épouses, mères et sœurs de soldats. L'année suivante, ce droit sera étendu à la majorité des Canadiennes. En 1939, les femmes se portent à nouveau volontaires. Plus d'un million d'entre elles contribuent à l'effort de guerre. Après la Deuxième Guerre mondiale, on va dire aux femmes, bien, retournez dans vos foyers, on n'a plus besoin de vous. Et dans chaque grande boîte de brise, vous recevez également un bonus. Le voici. Et on revalorise finalement la famille. Vraiment brise en soleil la journée de la vague. Les femmes célibataires qui sont présentes sur le marché du travail continuent de l'être dans des proportions croissantes. Liberté! 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 Les femmes s'impliquent activement dans le mouvement de contestation sociale des années 60. Elles remettent en question leur rôle traditionnel au sein de la société. Je m'excuse, mais il faut que ça change. Puis c'est à nous autres, les femmes qui ont peut-être la vie un peu plus facile, à faire ce travail. La contraception est au cœur des revendications. L'avènement de la pilule est effectivement un point tournant majeur. Pouvoir contrôler son corps, pouvoir contrôler sa procréation est une clé très importante de l'épanouissement des femmes et de leur émancipation. Mais les mentalités évoluent lentement. Partout, les femmes doivent se battre continuellement pour obtenir satisfaction. Les Québécoises ont obtenu le droit de vote en 1940, mais il faut attendre jusqu'en 1961 pour qu'une première femme, Marie-Claire Kirkland, soit élue à l'Assemblée législative. Cette première femme députée va faire adopter la loi qui met fin à l'incapacité juridique des femmes mariées. Si les hommes et les femmes sont déclarés égaux, dans les faits, il en est tout autrement. Les conclusions de la Commission royale d'enquête sur le statut de la femme, menée par Florence Byrd, le démontrent.
Cette commission va mettre la question de la parité salariale au centre de ses revendications, la question aussi de l'adoption de congés de maternité pour les femmes va aussi favoriser la reconnaissance de l'avortement comme une pratique légale et donc la libéralisation aussi des modes de contraception pour donner aux femmes la pleine liberté de leur corps et de leur existence. La place de la femme dans la société canadienne a beaucoup évolué depuis la Confédération. Mais si elles ont investi toutes les sphères de la société canadienne, l'équité salariale est toujours au cœur des revendications. Et les femmes restent encore presque absentes dans les postes de haute direction des entreprises. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.